Bonjour à tous, Fred l'ami expert Sketchup. Aujourd'hui, je vous montre dans Sketchup comment on enlève les lignes d'attache des cotations. Alors, les lignes d'attache des cotations, c'est quoi bah, C'est ces lignes qui touchent votre construction et qui rejoignent la ligne horizontale où il y a le texte de la cotation. Voilà, et bah, je vous montre ça tout de suite. Alors, pour commencer la démo, bah, je vais utiliser ce plan. Ce plan, eh bien c'est un plan que j'ai trouvé sur la 3D Warehouse euh, en tapant House Plan. Donc, euh, un contributeur qui nous a nous a laissé ce, ce plan. Euh, donc je vais me mettre en vue de dessus pour commencer la démo. Voilà, vue de dessus. Ensuite caméra, projection parallèle. Je vais enlever mon personnage principal. Et puis je vais surtout appliquer un style qui fait que je vais avoir un arrière-plan blanc. Donc on va ici dans la palette par défaut. Je vais dérouler mon style et ici dans les styles par défaut, on va les prendre ligne cachée. Voilà, super style. Donc, on va cliquer sur la petite maison dans le modèle et affichage. On va décocher les axes. Voilà. Je mets à jour mon style puisque j'ai enlevé les axes. Maintenant, à chaque fois que je mettrai ce style là, je n'aurai pas mes axes. Et puis, on va s'attaquer au cœur du problème qui sont les cotations. Donc, quand vous cliquez sur cotation, voilà, si vous avez l'habitude d'utiliser SketchUp, bon, bah vous savez très bien que quand on, on clique sur un point de départ. Un point d'extrémité, un point d'arrivée, et qu'on décale la cotation, eh bien, on a la cote. Donc, la cote, elle est constituée du texte de cote, de la ligne de base et des lignes d'attache. Donc, les lignes d'attache, ce sont ces deux lignes-là. Celle-ci qui est confondue d'ailleurs avec, euh, avec mon trait de construction. Et c'est celle-ci qui. Bon, ça peut convenir, mais pour moi, je trouve que ça pose vraiment problème pour la clarté d'un plan. Pourquoi bah Parce que quand vous allez coter, euh, par exemple, ici, je viens coter ce point-là qui est à l'intérieur de ma maison et ce point-là aussi. Lorsque je décale ma cote vers l'extérieur, eh ben, j'ai deux traits qui sont très désagréables parce que je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est une ligne de construction Est-ce que c'est une ligne de cote Donc ça, il faut trouver un système pour ne plus les avoir et pour avoir un plan qui est clair. Donc, la solution. Je vais vous montrer plusieurs solutions. La première, eh c'est de coter par exemple ici, point de départ, point d'arrivée. Et d'étirer un tout petit peu, par exemple, ma ligne de cote, ici. Voilà. En l'étirant comme ça, ça me permet, en prenant l'outil Sélection, Déplacer et Copier, de copier ma cote, voilà, à l'extérieur. Et vous voyez, ici, on a une ligne de cote qui est vraiment très rétrécie, une ligne d'attache, pardon, qui est très rétrécie. Et là, je peux supprimer mon objet. Mais l'inconvénient de ça, c'est que pour avoir exactement la même longueur de ligne d'attache, il va falloir que bah, je reproduise la chose. Donc je clique là, par exemple, ici aussi, que je détache un peu, et avec déplacer, de nouveau copier. Et puis, bah, le problème, c'est que bah, mes lignes, mes lignes d'attache ne vont pas du tout avoir la même longueur. Donc, solution. Alors, avant d'appliquer la solution, euh, la méthode miracle, on va déjà créer une scène. Pour ne pas perdre le point de vue et d'avoir une idée de l'échelle d'impression, donc on va aller dans les scènes, voilà, et je vais cliquer sur plus. Voilà, donc là j'ai ma scène une parfaite. Donc pour définir, et eh bien la même, euh, la, le même décalage partout, on va utiliser l'outil mètre. Donc on va appuyer sur T, on va cliquer ici sur le bord de ma maison et je vais déjà décaler vers l'extérieur une mesure. On va retrouver. Je vais recliquer sur scène en même temps, voilà, j'ai mon point de vue. Je vais décaler ici, et là je vais définir par exemple à 70 cm du bord, voilà, le début de mes cotes. Et ça je vais le faire partout. Donc si je veux des cotes tout autour, donc je vais cliquer sur le bord ici, on clique, on décale de 70. Là maintenant, plus besoin de me mettre sur ma scène 1, puisque j'ai bien compris le décalage. 70, etc, etc. Donc 70, voilà. Donc je fais ça un peu partout. Et puis tiens, on va on va travailler ici pour l'exemple. Donc je vais venir double cliquer sur ma ligne extérieure de construction. Donc ça projette mon guide. Là intérieur pareil, on double clique. Là aussi. Et là aussi. Donc là je vais prendre les cotes extérieures. Donc ma première cote va commencer ici, d'accord Et puis je reprends mon outil mètre et je décale. Euh, ici et je vais définir la, euh, la longueur de ma ligne d'attache donc ma ligne d'attache alors c'est pareil je vais mettre en scène une pour mieux voir voilà une vue globale ma ligne d'attache je la veux pas très grande donc si je mets par exemple ici euh, 10 cm allez 15 on va mettre 15 c'est très bien voilà toutes mes lignes d'attache auront 15 cm donc je vais le faire partout donc je vais le faire ici aussi en décale de 15 voilà puisque le logiciel n'est pas capable de reconnaître la ligne d'attache et de la paramétrer, c'est à nous de le faire. Donc c'est pas grave, on va le faire ici, on va prendre la cote. Et maintenant je vais coter au point d'intersection ici. Donc un clic, un clic, et on décale ici. Voilà. Bon, le seul truc aussi, c'est que là, votre code ne va pas reconnaître exactement le point d'intersection, donc on le fait à l'œil. Voilà, très bien. C'est pas grave puisque la deuxième cote, vous allez le voir, un clic et un clic. On va venir avoir un magnétisme maintenant automatique sur la première cote. Donc le magnétisme se fait, c'est bon, mes cotes sont alignées. Là c'est pareil. Voilà. Et là si on, on désactive les, les guides, ligne de guidage, donc affichage, hop, on enlève nos guides. Et bien on a des super cotes. Donc scène 1, on y va. Voilà. On va enlever les guides. Voilà. Et puis je vais créer une deuxième scène. Ajouter, voilà, créer une scène. Comme ça, sur ma scène 1, j'ai les guides, hop, sur l'autre, j'ai pas les guides, et je peux voir exactement l'effet escompté. Donc, ça, c'est super intéressant. Euh, et puis, autre chose, maintenant, euh, je veux que mes, mes, mon texte soit aligné sur la ligne de cote. Donc, on va aller dans Fenêtre, Info sur le modèle, Cotation, et là, je, je clique sur Aligner sur la ligne de cotation. Très important maintenant pour que tout se mette à jour, sélectionner et vous faites actualiser. Voilà, trop bien. Extérieur, non, ça m'intéresse pas. Centrer. Voilà. Donc dès que vous modifiez quelque chose, sélectionnez, actualiser. Je vais également réduire la taille de mon texte. 12 c'est beaucoup trop grand. On va passer à 9 par exemple. Et toujours pareil, sélectionner, actualiser. Et les unités, bien sûr, on va désactiver le format des unités. Et là, on a des très belles cotes. Voilà, qui sont, euh, qui sont nettement plus agréables à utiliser et qui gênent pas du tout la lecture du plan. Donc maintenant, si je veux réactiver mes guides, je rappuie sur ma scène 1 et je peux continuer comme ça mon travail. Et vu que j'ai modifié le style de mes cotes globales, logiquement, je vais refaire un T ici. Voilà, je vais double-cliquer là pour vous montrer. Ici aussi, super. Voilà, là je vais refaire une cote. Un clic, un clic, non zut, un clic ici, un clic, et hop, on est super. Voilà, donc là j'ai exactement ce que je voulais. Donc j'ai mon texte qui est aligné sur la ligne de cote. Mes lignes d'attache sont suffisamment courtes, et ma foi, on est très bien. Si vous êtes débutant ou vous voulez vous perfectionner dans SketchUp, et eh bien je vous propose le meilleur de mes formations dans trois packs distincts. SketchUp Prime, le pack ultime pour la modélisation et la mise en page de vos projets, SketchUp Render pour devenir expert dans le photoréalisme et le pack SketchUp Intérieur adapté aux architectes et aux décorateurs. Pour accéder à ces packs, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez utiliser ces astuces avec les cotations dans SketchUp. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite vivement à la liker, à la partager dans vos réseaux, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir les dernières nouveautés et puis si vous voulez vous perfectionner ou apprendre SketchUp c'est en dessous dans mes leçons SketchUp. A bientôt